Bonjour à tous et merci donc de regarder cette vidéo. Merci à tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Aujourd'hui, on va voir une petite vidéo sur un petit appareil, le Vidéo Memo. Donc un petit magnète qu'on peut poser sur son frigo, qu'on peut poser sur n'importe quelle surface métallique. Il possède une petite caméra, laissée au lieu d'écrire un petit message vidéo sympa. Il a une particularité, on peut laisser un message vidéo ou audio. Et on va faire le déballage ensemble. Donc, on a la boîte comme d'habitude. Je vous la mettrai prêt pour que vous puissiez voir. Voilà, Vidéo Memo. On a ici l'appareil, donc, est gris métallisé. Trois messages de 60 secondes. Trois boutons qui sont destinés à ces messages. Je tiens à préciser, pour les personnes non-voyantes, l'appareil est très peu accessible. Il est juste accessible par le toucher au niveau des boutons. Aucun bruit sonore qui permet en fait de nous préciser si on allume l'appareil, s'il y a des messages. Voilà, donc on va faire le déballage ensemble. Donc un carton comme d'habitude, tout classique. Alors il y a très peu de choses à l'intérieur. Donc j'ouvre la boîte là. On va donc sortir. Voilà, donc on a de suite, lorsqu'on ouvre la boîte, face à nous, donc le câble. Donc on a un câble pour recharger l'appareil puisque l'appareil est sur batterie. Voilà, donc on a ici notre vidéo mémo. Je vous le mets de très près. On a donc tout en haut à droite ici la caméra, les voyants pour dire si on a un message ou pas, trois boutons, le bouton marche arrêt, le bouton enregistrement vidéo et le bouton enregistrement audio. À l'opposé, on a donc les touches triangulaires vers la droite, donc les touches play pour la lecture au nombre de 3, où on l'aura laissé en fait les trois messages de 60 secondes. Tout en haut, au centre, on a notre écran, donc un écran 1,44 pouces couleur. Dessous, on a notre haut-parleur, je vous le montre de très près. Et sur le côté ici, on a donc la réception du micro. Et lorsqu'on retourne l'appareil, dessous, on a donc la prise classique mini USB qui va permettre la recharge de l'appareil. Lorsqu'on allume donc l'appareil, on a l'écran LCD couleur qui est allumé. On va faire un message dans un premier temps audio pour que vous puissiez voir comment l'appareil va faire au niveau de l'audio. On appuie donc sur le bouton. Apparaît une sorte de micro. On peut donc laisser notre message audio. Ce que je vais faire, je vous mets en très gros un micro. Et maintenant, on peut laisser un message. Bonjour, bienvenue à vous. Merci de regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Donc on appuie sur notre bouton micro et le message est laissé. Donc maintenant, si on lance la lecture. Apparaît donc sur l'écran. Montrez-vous un micro. Et maintenant on peut laisser un message. Bonjour, bienvenue à vous. Merci de regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Donc vous voyez, pour laisser un message audio, c'est tout simple. Ça veut dire que après, on a des messages qui sont laissés. On a ici une petite lumière qui clignote, qui prévient les personnes qui ont un message ou audio ou vidéo. On va donc maintenant laisser un message vidéo. Donc on appuie sur le deuxième bouton en partant du haut à droite. Ici j'appuie dessus. Ici tout là-haut. Bonjour, donc bienvenue sur ma chaîne. Je suis très content de vous présenter le vidéo Memo. A très bientôt pour la prochaine vidéo. Une fois terminé, on appuie sur la touche vidéo. L'enregistrement est terminé et on va pouvoir regarder la vidéo. Ici tout feu. Je pense qu'il se passe. Bonjour, donc bienvenue sur ma chaîne. Je suis très content de vous présenter le vidéo Memo. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà donc cette petite vidéo faite sur le vidéo Memo. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Et moi je vous dis tout simplement un grand merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt.
pour la prochaine vidéo. Salut !